un autre client que j'ai qui m'a approché pour de l'assurance collective, l'assurance groupe. On s'est rendu compte qu'ils n'ont pas réellement de besoin par rapport à c'est toute la famille, puis ils ont déjà des protections personnelles. Puis en réalité, ça valait pas la peine d'introduire une assurance groupe là-dedans. Parce que je pose mes questions, puis je regarde. T'es en pleine restructuration fiscale au niveau de l'entreprise, parce qu'il y a les enfants qui étaient là. Ils ont commencé à travailler avec eux. Il y en a un qui s'est donné plus que les autres, donc lui, il va avoir le droit à plus de parts. Donc, il y a une stratégie à faire. J'ai regardé, j'ai fait quelques recommandations, mais c'est le comptable puis le fiscaliste, surtout le fiscaliste qui va s'organiser de monter la structure de la meilleure façon possible, parce que en même dans leur entreprise, il y avait une autre entreprise qui allait être en partenariat dans une autre entreprise. En tout cas, c'est un gros montage d'entreprise à faire. C'est des affaires à bien réfléchir. Puis moi, mon rôle après ça ici était où c'est qu'on place les stratégies financières, dans laquelle des opérantes ou dans laquelle de la société de gestion, puis quand est-ce qu'on le fait, à quel moment, quand est-ce que ça va être créé.